They like to roll the dice. By chance they came on devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. Alors, on se retrouve sur un jeu. Je pense que personne n'a pas dû en entendre parler. Alors, je pense que pendant que je vais jouer à ce jeu, on va parler un petit peu de mon ressenti sur la Switch, parce que j'ai très envie d'en parler, et de mon setup qui va s'améliorer. Et d'ailleurs, des peut-être let's play qui vont changer de support. Alors, juste option, contrôle. Ok. Ok. J'avais lancé une partie pour faire en duo pour voir ce que ça donnait. Alors, Cuphead, c'est un jeu qui vaut une vingtaine d'euros, je crois, qui a 16 euros pendant les promos. Je vous laisse lire, hein, je parle en même temps. Je vous laisse genre 5 secondes, vous mettrez pause. Juste traduire, c'est de l'anglais, hein. Là ils s'amusent. Ah, les images veulent tout dire. Donc c'est un jeu qui a mis assez longtemps à se développer parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du développement par rapport aux hitbox. Parce qu'en fait on est sur un jeu qui est un rush boss, qui aurait dû être juste un rush boss, et moi qui pensais encore que c'était un rush boss. Mais en fait non, il y a des phases de plateforme en fait, de plateforme où tu vas tirer sur des ennemis qui arrivent sur toi. Un jeu très rageant et très dur. Je vais pas vous mentir que je risque d'être un peu rouillé parce que jouer sur la Switch et revenir sur une manette de Xbox, je peux vous dire que c'est très bizarre. Parce que effectivement, les boutons X et Y et A et B ne sont pas les mêmes sur Switch et Xbox en fait. Ils ont inversé. A est en bas alors que normalement A devrait être à droite sur la Switch. Et donc A et B sont inversés par rapport à la Switch quoi et la Xbox. Ce qui fait qu'en gros quand je joue sur PC, bah j'amène de Xbox et j'étais vachement habitué en fait. Et vu que je jouais plus du tout sur les consoles Nintendo, j'étais plus habitué à avoir ce genre de bouton. Et le fait de rejouer sur Switch, ça m'a beaucoup perturbé. Et j'ai eu vraiment du mal, et j'ai encore du mal, que ce soit sur les gâchettes. Non, les gâchettes, ça, c'est les boutons. Souvent, je me mets à appuyer sur Y, alors que je devrais appuyer sur un autre bouton, je me fail en fait. Donc, si vous n'avez pas compris l'histoire, donc je vais vous la traduire après, vite fait. Donc, en gros, le principe en fait, c'est que on s'amusait, on est rentré dans un casino, on a commencé à jouer dans le casino, parce qu'on aime bien les jeux d'argent. Et sauf qu'en fait, on gagnait. Donc il y avait l'appât du gain, tout ça. On a donc notre personnage plus notre petit frère, ou je ne sais pas trop ce que c'est, qui nous dit qu'on devrait arrêter. Sauf qu'il y a le diable qui arrive et qui demande, qui lui parie, de lui offrir le casino. Ou s'il perd, il leur donne. On perd nos âmes en fait. Et ils ont. L'autre a lancé les dés en mode je m'en bats les couilles, je parie. Le petit frère était en PLS. Ils ont perdu parce que le diable les a enculés. Et donc le seul moyen que bah en fait le diable ne vole pas leurs âmes, c'est bien sûr de récolter des contrats que le diable donc des contrats pour des âmes au diable, de les récolter pour lui, de faire les contrats. Et le truc c'est que donc là on est allé voir le grand-père qui est donc Cuphead. Tied, pas du tout. La vieille théière, qui bien sûr nous explique qui nous a donné un pouvoir. Voilà, ce pouvoir qui fait que quand on claque des doigts, on va pouvoir tirer. Alors, c'est un jeu qui est très sympa. Donc là, on a une sorte de petit tuto. Alors, la musique est géniale, le gameplay est génial, les graphismes sont géniaux. Mais il y a des gros défauts qui me font tilter dans le jeu en fait. Qui m'ont fait tilter et voilà, ça c'est l'un des premiers défauts. Du jeu. En fait. Le pari, le système de pari en fait,
je n'arrive pas à le faire. Parce que... Vous voyez, là, je le fais bien. Alors qu'il y a des boss. En fait, ce que vous devez voir, c'est que si tu appuies double A très rapidement, il se met le pari. Mais il se met le pari à peu près ici. C'est-à-dire que... toute la... tant qu'il n'est pas arrivé au maximum où il va faire son pari, là... Et bah, en fait, il risque de se retrouver à être... à se faire enculer, en fait. Donc, en gros, si tu veux parier d'en bas, faut te dire que le mob, il doit être à peu près au B, si tu veux le parier. Et ça, c'est très très chiant. Ça, c'est très très chiant, ce qui fait qu'il y a des boss qui sont extrêmement insupportables pour devoir les parier. Alors, le B, c'est une sorte de super pouvoir. On peut collecter des quints. C'est des sous. Donc, voilà. Ok, donc là on va partir, on a fini le petit tuto qui nous a expliqué comment avancer dans l'aventure. Hi, hey fellas, no like where I found you. Hey, I will still be the same way, always getting into trouble, one jump into team. Blablabla. Ok, il me donne des 3 coins. Donc là je monte à 4 et je vais pouvoir directement si je veux aller au shop. Donc il y a un système de shop où vous allez pouvoir vous stuffer en fait. Avec différentes armes, donc on peut avoir un cœur, des smokes, la smoke, je vais prendre la smoke bomb. Non, ok. Bon voilà, là ça va être l'un de mes problèmes, c'est que je risque de cliquer sur A alors qu'en fait c'est le B. Ok. Alors, le smoke bomb fait que quand j'utilise mon Y, normalement, je suis inciblable en fait. On va essayer de faire un boss. Tiens, on va faire un boss. Donc, on a simple pour le plus facile. Mais attention, si vous faites en simple, les contrats ne sont pas validés. Ce qui fait que je crois que pour la dernière phase du jeu, vous pourrez avancer dans le jeu, mais pour la dernière phase, vous ne pourrez pas faire le boss. Donc vous êtes obligé de faire les boss en régular. Donc là, on a un premier boss qui va bien sûr faire des patterns. Je vais pas vous mentir, les premiers boss, je les ai fait en duo. Donc ça risque d'être pas forcément un problème. Ouais, genre là mon pari il a pas fonctionné, genre là ça m'a niqué une vie et je suis très déçu. Okay. Ah merde, bon là je suis très con. N'importe quoi. Alors je devrais juste dash en fait. Ok. Je fais quelques allers-retours avant de me tomber dessus, donc c'est assez facile à esquiver. J'ai même pas besoin de dash pratiquement. Oula là, il me l'a fait directement. Ok, voilà, donc là vous avez le knockout. Et donc là, on a vu les 3 phases. Donc la première phase où il est en petit, la deuxième phase où il grossit, et la troisième phase quand il est en,
en gros quoi. Donc là je pense que je vais avoir un B. Hein. On peut tryhard et avoir des A, ou je sais même pas si il y a plus que A, mais voilà, vous pouvez tryhard. Donc là on a fini. Et on va débloquer donc des parties de chemin. Donc là on débloque le contrat. Et on va pouvoir débloquer une partie de chemin qui va nous faire débloquer la suite. Donc là on a un monsieur qui nous parle. Et on peut entrer ici par exemple. Et voir qu'il y a un autre tuto. Et aussi on a un mode de jeu sympathique. Où on va pouvoir jouer en mode shoot them up un peu. Je sais pas comment on dit ça exactement. Mais voilà, vous allez pouvoir être en tout petit pour pouvoir esquiver. Toujours votre spécial. Sauf que là, le spécial, quand tu as 5 cartes qui se trouvent là. Là, vous voyez, des petites cartes. Quand on a 5, c'est à le maximum, tu te transformes en gros boulet. Sinon, ça tire juste des boulets comme ça. Tu peux te mettre en petit pour esquiver. Voilà. Donc là, le fait d'avoir validé, ça va nous faire avancer encore une fois dans l'aventure. Et hop, on va pouvoir débloquer la suite. Alors, faut savoir que j'adore me trimballer partout. Et genre faire ce genre de truc, tu vois, où tu vas plutôt essayer de chercher tous les petits coins secrets. Et en fait, en allant par là, je me suis dit, oh, c'est marrant, on peut aller par là. Et j'ai vu qu'en fait, on pouvait faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux directement rush les autres niveaux, entre guillemets. Même si là j'ai l'impression qu'il y a une pièce, mais je sais pas comment la prendre. Faudra que je vois plus tard. Mais on peut déjà rush les niveaux et en fait ça se... Genre tu peux esquiver une partie, c'est assez gros délire. Donc là je vais vous montrer le run and gun. Alors j'essaye d'être pas trop rapide parce que... Ah oh merde, putain. Oh là là, c'est un... J'ai pas envie de perdre trop de points de vie en early. Ok. C'est assez insupportable de tomber comme ça, ouais. Ah oh, par contre ça se fait pas. Il y a des trucs comme ça avec les hitbox qui me font un peu tilter la plupart du temps. Ok. Voilà. Et ça c'est un truc avec le pari où j'essaye de m'entraîner. Et en fait le pari parfois genre je sais pas si c'est la manette ou... Vous voyez genre la hitbox elle est tellement enculée, genre tu te mets en dessous, toi dans un jeu de base tu te mets en dessous, tu vas la toucher. Mais non en fait faut vraiment être pile dessus. Et là j'ai peur que tu vois parfois la tête elle te touche là. Il y a plein de trucs comme ça où genre les hitbox font peur en fait. Vraiment descendre dessus quoi. Ok. Ok. Moi pour l'instant, il n'y a pas besoin de courir et... On peut vraiment y aller lentement parce que en vrai ça serait con de se niquer. Donc, j'ai failli le faire. Ok, c'est fini.
Putain, je me rappelle plus que ça se finissait aussi rapidement. Il y a toujours une sorte de petit boss à la fin, une sorte de petit gros mob. C'est très dur de parler en même temps en fait. Hein. J'étais en mode, je vais parler de la Switch, ouais, mon cul. Plutôt concentré. Voilà, perfect, vous avez vu. On peut prendre son temps, hein, voilà, faut pas stresser quoi. Et là, on débloque une partie qui va nous faire pouvoir aller par là. Et par là, on va trouver un truc que je voulais montrer au moins dans cette vidéo. Ok. Donc c'est des petites faces comme ça. Alors j'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres. Alors là, si je me nique, je perds un cœur. Alors, j'ai trouvé ça pas énorme, quoi. En vrai, pour un genre... Il n'y a pas vraiment de score. Genre... Je saute sur des mobs, quoi. Après, ça fait un bon entraînement pour le pari. Hein. Ce qui est dommage, c'est que tu peux pas le refaire. À part si tu... Si tu sauvegardes, je sais pas. Après, les graphismes des petits fantômes sont très stylés. Ok. Et donc là, le pot va s'ouvrir et on a une gentille dame qui est contente. On l'a aidée. Et elle nous donne un cadeau. Qui, bien sûr, va pouvoir être équipé avec le Y. Donc là, on l'a pété et comme vous pouvez le voir, en fait, on... Donc on a débloqué un super. Donc... Pour l'équiper. Merde, putain. Ok, donc là, quand on a 5 barres, ça fait qu'on a le super qu'on peut déclencher. Je sais pas si je vous montre un autre boss ou le boss en mode avion. Comme ça, on aura tout montré dans cette première vidéo. Alors, vous avez l'impression que je gère, hein, mais parce que j'ai tout fait du first try, mais c'est pas vrai. Là, je sens que les morts vont commencer. Voilà, attendez, je vais retry, parce que je suis une grosse merde, j'avais oublié qu'elle faisait ça. Ça s'appelle le rageux qui veut pas mourir en early. Putain, j'avais pas vu... Ah putain, mais... Ok. Ah putain, je pouvais pas descendre à cause du fait qu'elle était sous sa forme. Casse les couilles. Attention, parce qu'il me tire dessus l'autre. Putain, mais what the fuck, je le vois. Bon bah ok. En fait, genre j'ai la manette, elle est immaniable. Genre il y a des moments où je pouvais pas bouger. Alors, faut savoir que quand elle rigole en faisant son AA, ça c'est un truc que faut que vous le sachiez, c'est que le AA risque de vous enculer. Ah putain, je voulais me décaler vers le dessus parce que je savais qu'il allait me tirer dessus. Qu'est-ce que ça. Mais non. Attendez, excusez-moi, là c'est le temps que ça se réveille. J'ai oublié que les petites merdes là étaient très très chiantes. Je fasse attention parce qu'il y a des petites merdes aussi. Ah merde, je suis allé dedans. Donc là, j'ai mon super pouvoir, je vais pouvoir le déclencher. Ce qui fait que ça va lui faire de gros dégâts. Ok. Oh putain, je le vois pas. Mais en fait, le problème avec ce jeu, c'est que je sais pas si c'est prévu ou pas. C'est que le jeu
te met des... Voilà, je pouvais pas. Là, je pouvais pas reculer, j'ai la bouboule qui m'arrivait dessus et je pouvais pas descendre. En fait, il y a des trucs que je comprends pas dans ce jeu qui me font assez tilter, c'est le décor. Le décor est beau, mais ça m'énerve de dire que parfois t'as des ennemis que tu les vois pas parce qu'ils ont avancé en full RNG. Bon. Là, ça s'appelle du retry direct. J'ai dit retry. Les ennemis avancent en full RNG parce qu'il y a un peu de la RNG, hein, faut pas croire. Hein. Mais what? Putain, mais je bug. En fait, je trouve que j'ai inversé les touches et je vais les mettre en mode switch. Je peux plus. Ah non, c'est juste que le AA, en fait, il m'a surpris qu'il partait vers le haut. Alors que normalement, il aurait pas dû. Ok, donc là, il passe en deuxième phase. Oh putain! La tornade est assez chaud à esquiver, je vous conseille de faire attention. Ouf. Là, ça va être compliqué. Yes. Donc là, cette phase, je la déteste. Parce que c'est de la full RNG. Ok, donc là. Là, ça va être très compliqué de survivre à ça. Ah putain, il a réussi à me le tirer. Alors là, ça va être chaud de ouf, les gens. Parce que là, faut réussir à esquiver les étoiles de merde en sachant qu'il faut pas se prendre les secousses volantes. Ok. Alors, ça m'est déjà arrivé avoir un knockout et mourir juste après, et en fait, le jeu considère que je suis mort. Ça peut arriver, c'est-à-dire que vous avez vraiment pas de chance. Je vous le dis, vous avez pas de chance. Ah, j'ai fait aucun pari, j'ai rien tenté. Hein. Là, j'ai du mal. Hein. Alors que c'est un boss que j'ai first try celui-là. Ce qui est marrant, hein, c'est que je l'ai. Genre, j'étais first try et j'étais super content de moi. Quand je l'avais first try. On peut aller au shop et aller voir qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre. L'automatique pari, je sais pas si c'est vraiment bien. Attendez, on va revenir. Parce que j'ai l'impression que ça coûte plus cher en fait. J'ai bugué, hein, j'appuie sur B alors que je voulais appuyer sur A. On va essayer ça, juste pour le fun de voir. On va voir ce que ça fait et comment ça marche. Ah ouais, mais t'as plus la smoke bomb. Ok, moi je suis content de l'avoir fait, comme ça je le sais. On va faire un boss supplémentaire. J'ai encore assez de temps. Ok. Donc là le boss, vous allez voir très rapidement les différentes phases. Donc il fait deux rapides en fait. Il fait deux lentes, je veux dire, et une rapide.
Donc là, vous voyez, première phase passée assez rapide. Hein. On va zapper un peu cette phase, elle pue la merde. Oula. Ok. Merde. En fait, je suis allé dans le coin alors que j'aurais pas dû. Alors faut savoir que quand vous jouez en multi, ça va être beaucoup plus dur. Hein. Attendez-vous à galérer, le jeu va pas être clément avec vous. Il va pas du tout être clément avec vous. Genre c'est pas parce que vous jouez en multi que ça doit être plus facile. Hein. Ça doit être même plus dur parce que vous faites plus de dégâts, donc les boss ont la plupart du temps plus de vie. Ok. J'ai perdu un HP bêtement alors que en fait j'aurais même pu ne pas en perdre, c'est un peu con de ma part. D'ailleurs les touches sont pas forcément intuitives parce que le dash est sur Y et je sais que j'ai un ami, ça le faisait un peu bizarre d'avoir le dash sur Y. Après vous pouvez changer les touches, ça c'est très intelligent de leur part de l'avoir fait, de pouvoir changer toutes les touches du jeu. Donc là on a encore un boss qui se trouve ici, on a le shop qui se trouve ici, on a fait tout ce qu'il y avait au-dessus, on a un gun and run ici, et c'est tout. Et on a un boss là-bas. On a encore un gun and run qu'on doit faire, un boss en bas, et un boss là-haut, les plantes. En sachant que actuellement en multi, j'avais fait le gun and run, j'ai fait le boss ici que j'ai détesté parce que la dernière phase était un peu aléatoire. On pourrait le tenter. On pourrait le tenter. En vrai, ça fait que la vidéo durerait un peu plus longtemps, mais j'ai envie. Ah non, non, c'est pas lui. Exit to map. Putain, pourquoi j'ai rogo sur lui? J'ai bugué là? Oh non, c'est en bas. Ok. Ah merde, putain. J'ai paniqué. What? J'ai what? Oh putain, j'ai plus qu'un cœur. Je pense que c'est chaud, mais c'est peut-être faisable. Tout à l'heure j'ai fait ça, ça va pas marcher, ok. Donc là il va me tirer une pièce là, une pièce en haut et une pièce près du point. Donc là on a du aléatoire en fait, et en fonction de ce qu'on va avoir, bah on va pouvoir lui faire des dégâts. Oula, le jeu a failli m'enculer là. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Ah, ça m'énerve. En fait, l'idée d'avoir foutu des pics sur les côtés, c'est le truc d'enculé si tu te les manges, quoi. Parce que t'oublies, tu te dis, oh, c'est une plateforme, ça va pas te faire mal sur les côtés. Et il commence par cette phase. Ok. C'est un peu aléatoire, en vrai. Thank you.
What? Je me suis baissé, mon perso s'est relevé et il s'est mangé le truc. Je suis tellement pas d'accord sur le coup là. Bon, là on va essayer de pas se prendre comme tout à l'heure. En fait tout à l'heure j'ai l'impression qu'en fait j'ai pas sauté. C'est un peu con. Bon, la phase devrait se terminer assez rapidement parce que j'ai balancé un super. Ok. Donc là, on a un cœur de plus. Alors qu'en fait, on aurait dû ne même pas en perdre. Plus le caca. J'ai l'impression qu'il a pas pris de dégâts. Ah, il prend pas de dégâts. Je pensais qu'il prenait des dégâts directement quand il était... Donc ça, par exemple, c'est de la full RNG. Hein. Là, je me suis tapé deux fois une phase facile. Je risque pas de me taper encore une fois une phase facile. Ouais, voilà. Ça, c'est la pire phase. Ça, je détais. Voilà. Mort. À mort. La dernière phase, en fait, vous avez, comme vous avez vu, vous avez les taureaux et vous avez celle-là où il y a les bouboules qui sautent. Ce qui fait que tu dois sauter au-dessus au bon moment en sachant que, en fait, elles arrivent de plus en plus vite. Et à un moment, t'arrives même plus à les esquiver, t'es obligé de te manger au moins un cœur à la fin. C'est un truc qui te bouffe un cœur, c'est horrible. Bah voilà, on a fini à 20 comme je me disais. Ça va, je trouve que je me suis bien débrouillé sur les boss. Je pensais montrer un contenu à chier comme si j'étais une grosse victime. Mais c'est pas horrible non plus. Donc là, vous avez vu qu'on a fait tout ça. Donc prochainement dans la vidéo, on pourra tenter le boss là qui est juste horrible. Mais vraiment horrible, de l'RNG à mort. Le boss, le run and gun. Et après, on pourra descendre par là pour continuer l'aventure. Ça pourrait être cool. Je sens que toi tu me caches quelque chose derrière toi, c'est sûr que t'as une pièce, hein. Je peux pas y aller. Je sais pas comment y aller. Donc voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera peut-être envie d'acheter Cuphead, qui est pour moi une prouesse artistique et un jeu excellent, que ce soit sur la bande-son ou tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc ouais, sur... Je voulais juste dire pour les gens du live, là, parce que je suis en live, que pour le matériel que je vais m'acheter, en fait, c'est un HDPVR intégré dans le PC, donc j'expliquerai un petit peu comment il fonctionne et comment l'installer et tout, peut-être. Et je vais avoir aussi une sorte de perche pour micro, et je vous montrerai comment elle est et comment ça donne, ça rend, à peu près. Et aussi, bah, tout ça me servira à mieux filmer sur des jeux et aussi... sur la Switch, entre guillemets, c'est pour du matériel pour filmer sur la Switch. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour un autre épisode de Cuphead ou autre jeu.